Capsule numéro 1. Comment filtrer les informations des personnes ressources inscrites à votre rencontre de famille? Tout d'abord, vous devez taper l'adresse de votre page web, /login. Lorsque vous avez terminé cette étape, vous devez entrer votre nom d'utilisateur ainsi que votre mot de passe. Par la suite, connectez-vous. Lorsque vous êtes arrivé à votre page d'accueil, vous pouvez aller cliquer sur le bouton Inscription. Ensuite, vous devez maintenant cliquer sur le bouton Liste d'inscription. Vous allez maintenant voir une liste des personnes ressources apparaître. Donc ici, l'objectif est de vous montrer comment faire une petite recherche et filtrer vos informations en lien avec les personnes ressources qui se sont inscrites. Par exemple, si vous voulez avoir une idée des personnes originaires du Nouveau-Brunswick qui se sont inscrites, vous pouvez aller dans la colonne ici, Province-État, et tapez la lettre N comme Nathalie pour pouvoir rechercher ces personnes. Ensuite, appuyez sur la touche Entrée ou Enter. Bon, là, vous allez voir apparaître certaines personnes ressources originaires de la région du Nouveau-Brunswick. Par exemple, si on veut voir les personnes originaires du Québec qui se sont inscrites, nous pouvons taper la lettre Q et ensuite appuyer sur la touche Entrée ou Enter. Et voilà, il y a trois personnes ressources originaires du Québec qui se sont inscrites. Pour retourner à la case départ ou à la page d'accueil de votre liste, vous pouvez aller cliquer ici sur le petit cercle Recharger le tableau. Vous allez voir maintenant réapparaître la liste du départ. Et voilà, n'oubliez pas aussi que la liste elle est très longue, donc vous pouvez faire défiler la barre du bas pour avoir une vue complète des informations entrées. Voilà, c'est ce qui termine notre capsule numéro 1.